ذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. الله تعالى raffermit ceux qui ont cru avec la parole de fermeté dans ce monde et dans l'au-delà. Qui la ilaha illallah. Donc la personne, il doit être ferme dans sa religion, son cœur être attaché à Allah subhanahu wa ta'ala, l'amour d'Allah et de son messager, l'amour de l'au-delà. Il cherche dans ce qu'il fait le visage d'Allah subhanahu wa ta'ala, même s'il agit dans ce monde, ce qu'il fait dans ce monde c'est pour l'aider pour sa religion. Derrière ça, toujours son cœur est attaché à Allah subhanahu wa ta'ala, il n'oublie pas Allah, il évoque Allah matin et soir, debout, assis, allongé, couché. Il évoque Allah subhanahu wa ta'ala. Il rentre, il sort, il évoque Allah subhanahu wa ta'ala dans tous ses instants. C'est le cœur qui est le plus important dans l'adoration. Si quelqu'un fait la salat, son cœur il est insouciant. Est-ce que cette salat elle va avoir un effet sur lui? Il a fait des gestes. Inch'Allah, elle est acceptée auprès d'Allah. Mais ses effets, les effets bénéfiques de la salat, la personne qui invoque Allah, son cœur il est insouciant. C'est juste sa langue qui bouge. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Allah n'accepte pas la dua d'un cœur insouciant. » Donc, le plus important, c'est le cœur. Que ce cœur-là, il évoque Allah subhanahu wa ta'ala. وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا.